Et comment ça se fait que toi tu vas tout mis dehors là? Mais regardez ce petit singe là. Hein? Et j'ai le bâton là. Moi c'est on va à la crèche mon car. Ah non. Ah, comment ça non? Il faut qu'on... On va à la crèche, maman elle a du boulot. Bah, tu vas aller dehors à la crèche, tu vas aller dans le parc, dans le jardin. Après, maman, tu vas chercher moi. Bah oui, après, je viens te chercher. On y va, on va se préparer. Parce qu'on est en retard, on devrait être parti depuis 10 minutes. Maman et l'assiduité. En vrai, c'est pas ma faute. Moi, je suis prête depuis longtemps. Mais Gabi, il dort trop. Je suis obligée d'ouvrir la porte, commencer à le réveiller. Mais j'ose pas trop, j'aime pas trop ça. Je me dis, bon, s'il dort, c'est qu'il est en train de dormir et tout. Il subira bien déjà tous les réveils à l'école, puis après au travail. Je me dis, bon, ça m'embête quoi de pas le laisser dormir. À sa guise, quoi. Du coup, je laisse un peu. Et puis au final, après, je me dis, bon, je culpabilise parce que je n'ai pas envie de le presser dès le réveil. Donc, je laisse manger tranquillement, nanani, nanana, tu vois, voilà. Après, on se retrouve et puis bah, après, c'est la guerre. Parce qu'après, il n'a pas envie de partir, pas envie de s'habiller, pas envie de changer la couche. Et donc, voilà, je galère. Et puis dans 15 minutes, on est censé être à la crèche. Sauf qu'on n'y sera jamais, puisque dans 15 minutes, on va probablement commencer à partir. Qu'est-ce que je devrais faire? Je sais pas.